Let's go, bonjour. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais dit qu'on aurait des vidéos ouvertures très prochainement, avant Noël et probablement même après Noël et en janvier et tout. Donc aujourd'hui, on se trouve, pourquoi pas, une petite boîte Obi de série 2, 22-23. Pourquoi pas partir à la chasse aux Young Guns. On peut avoir entre autres Juraj Slakovski, Kaden Gooley, Arbar Jakaj et plein d'autres bons noms autres que le Canadien là-dedans. Donc let's go, on va rouvrir ça. J'ouvre ça tout de suite. Et on start l'ouverture de notre hobby. 24 packs, évidemment. Avec la chance d'avoir 6 Young Guns au minimum dans une boîte. La chance de jeunes loups là-dedans. Il y avait des jeunes loups encore. La chance de clear cut. Donc, Young Guns Canva et compagnie. Autographe. Numéroté. Désolé, pas autographe, numéroté. Il n'y a pas de Young Guns autographe là-dedans. Mais on pourrait l'empoigner par contre pour la collection. Pour faire autographier potentiellement du Jakaj, du Gooley, même Slakovski, ça pourrait être cool. Donc, on y va avec le premier pack maintenant de l'ouverture aujourd'hui. Premier paquet de cette ouverture de notre box Obi série 2. Donc, on y va déjà avec une Young Gun. Et on commence avec une Pavel Regenda. Pavel Regenda Young Gun pour commencer. Donc, ça commence avec une petite Young Guns de Pavel Regenda des Ducks d'Anaheim. Et on termine avec des bases. Déjà une Young Gun au premier pack, c'est quand même assez rare que je prenne ça, une Young Gun au premier pack quand j'ouvre une box. Souvent, ça en prend une coupe avant d'enchaîner les Young Guns. On a déjà une. On va maintenant avec une Welcome to Detroit. Welcome to Detroit. Petite insert Welcome to. Let's go. Next pack. Prochain pack, on a une petite Justin Barron sur le dessus du pack. Pourquoi pas, on va mettre ça dans la collection des Canadiens. Continue avec une nice, une population con, mais sur 1000. C'est Nick Blankenberg. Donc, pas le plus gros nom, malheureusement, pour une population con. Et pas la plus basse population non plus. Population 1000, quand même. Donc, Nick Blankenberg, les Blue Jackets de Columbus recrue. Ici, comme ça, pour le population con. Ok, quand même cool, on a une petite numérotée aujourd'hui, même si c'est pas les cartes qui ont la plus grande valeur sur 1000, surtout quand c'est pas des gros joueurs. Avec le prochain pack, qu'est-ce qu'on a? On a une Adam Raska UD Portraits, rookie, évidemment, puisque toutes les UD Portraits sont rookies à la série 2 de 22-23. Est-ce qu'on a une Young Gun ici? Je crois bien que oui. Je crois bien qu'on a une Young Gun, et c'est Rooney Attard Young Gun, Rooney Attard Young Guns ici pour les Flyers de Philadelphie. Petite Rooney Attard. Donc deux Young Guns jusqu'à présent. Rien de bien gros non plus pour les Young Guns. Rien de bien gros tout court. Je dirais une meilleure carte à date, c'est la Population Count. Donc on continue, on ouvre ça. Qu'est-ce qu'on a? On a une Kamakitsun Yuri Canva. Petite Kamakitsun Yuri Canva. Très tranquille jusqu'à présent. Mais tout peut changer, comme vous le savez, en un pack. Souvent mes ouvertures changent en un seul pack. Donc, il y a un ou deux packs, puis ça peut changer. On a une Rookie Material, oh nice, de Matt Boldy. Let's go, Matt Boldy. Rookie Material de Matt Boldy. Donc, ça, c'est vraiment pas mauvais. Petit jersey ici blanc. Vraiment nice. C'est genre le jersey dans le milieu du chandail. Donc, vraiment cool. Petite Matt Boldy. Rookie Material. Donc, ça, c'est une belle petite carte. Une petite carte quand même, très content. Très content de celle-ci, Matt Boldy. Donc, avoir une Rookie Material, c'est bien pogné. Une des bonnes recrues l'an dernier, Matt Boldy. Donc, let's go. Avec le prochain pack, qu'est-ce qu'on a ici? On a une Instant Impression de Blake Coleman. Blake Coleman, on peut également avoir les nicknames comme ça, avec le surnom du joueur au lieu du nom. Ils sont quand même très rares et très recherchés pour certains joueurs, dont la Gold Caulfield. On y va avec une Young Gun de Dylan Holloway. Dylan Holloway. Donc, qui a malheureusement perdu beaucoup de valeur quand même dernièrement. Je me rappelle, une année, ça se vendait 20-30$ ces cartes-là. Puis à cette heure, on a de la misère à sortir ça à 10$. J'en ai une présentement, puis il y a de la misère à sortir à 10$. Donc, mais une petite Dylan Holloway, Young Gun. Ça se prend bien quand même, mais ça aurait été cool, un plus gros nom. Mais j'ai l'impression que Dylan Holloway, s'il joue avec les Oilers, je sais même pas s'il est avec les Oilers en ce moment, ou s'il est avec la Ligue américaine ou quoi. J'ai pas trop suivi cette année son parcours, mais ouais. On va avec le prochain pack. On va avec une Lance Boxley Gen de Jake Hughes. Lui, il connaît toute une saison. Il était blessé un peu, quelques matchs, mais il connaît toute une saison de Jake Hughes avec les Devils du New Jersey.
Let's go. Prochain pack. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une Honor Roll de Jakub Kalvas. Jakub Kalvas Honor Roll. Superstar. On entame le dernier pack pour la moitié de notre boîte. Et ensuite, on y va avec la deuxième moitié. Qu'est-ce qu'on a? Une Luc Robitaille. UD Portrait. UD Canva. Désolé. Legion. Retired Legion. Ok, quand même cool ça. Je sais pas si on va en Young Gun Canva, malgré qu'on a eu cette petite Legion. UD Canva Retired de Luc Robitaille. Mais quand même cool. Donc, troisième, mettons, quatrième hit qu'on pourrait calculer. Avec la Jersey, la Darlin Holloway et la. Le plus gros hit un peu en haut, mettons, de. Je sais pas, moins 5-10 piastres, mettons. Donc, j'ai aucune idée combien qu'elle se vend. On a une variante française, donc on n'aura pas de Jeune Loup. On a une variante française de Tyler Bertuzzi. Malheureusement, pas de Jeune Loup aujourd'hui. Let's go, on peut quand même des numérotés. Young Gun Canva, on a des UD Canva Black également. Donc, let's go, prochain pack. Qu'est-ce qu'on a? On a une Brett Clark Dalzers de Brett Clark. Rookie, évidemment, puisque les Dalzers, je crois, sont aussi tous recrues dans cette série. Donc, prochain pack, let's go. Faut enchaîner. Faut pogner un hit, quelque chose, ça serait cool. On a ici une World Grad Junior de Jordan Cairo. World Grad Junior de Jordan Cairo. Désolé, mon petit chien qui est là présentement avec moi, qui fait un peu de niaiserie pendant ma vidéo. Donc, ouais. On va avec une Grant Hutton Young Guns. Grant Hutton's Young Guns. Donc, pas un gros nom non plus chez les Young Guns présentement. À part la Darlin Holloway, on n'a rien eu de super bon. Puis même la Darlin Holloway, c'est pas à tout casser non plus. Donc, on va avec le prochain pack. Yuli Canva de Patrick Liney. Patrick Liney. Donc, bon, quand même assez calme jusqu'à présent. On a eu une petite Jersey, une petite Darlin Holloway, la Population Con, puis la Yuli Canva de l'Etrobitaille. Sinon, c'est assez tranquille. Il reste quelques packs. Est-ce qu'on peut changer cette ouverture? Let's go. On y va avec une Thomas Bordelot Fall Calder. Bordelot Fall Calder. Donc, quand même cool. Celle-là, ça va sûrement garder pour ma collection de Québécois. Que je ramasse quelques joueurs québécois, des jeunes joueurs québécois, la plupart que je ramasse. Est-ce qu'on peut sortir une Young Gun? Oui, Young Gun de Victor Ladin. Ben voyons, non. Ça va pas bien pour le Young Gun. Let's go. Victor Ladin. Young Gun. Principe, il nous resterait-tu une Young Gun à sortir? Je crois que oui. Au moins une. J'espère. Sinon, ouais. On a Jack Wing Honor Roll Superstar Rookie. Il reste maintenant 4 packs pour cette ouverture d'aujourd'hui. Donc, 4 packs pour l'ouverture d'aujourd'hui. Let's go, let's go, let's go. Ça nous prend quelque chose. Non, on a une Welcome to New York pour le moment. Maintenant, 3 packs. Je vous cacherai pas que c'est pas ma meilleure ouverture, encore une fois, aujourd'hui. Let's go. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. UD Canva de base. 2 packs pour sortir un Mojo 8, parce que jusqu'à présent, nos 8, je pense pas qu'on a rien bien en haut de 10$. Fait que, ouais. C'est le risque des boîtes. On a une Young Gun de Jaden Albelchigouache. Je sais même pas prononcer son nom, fait que ça commence, ça finit pas bien. Et on y va avec notre dernier pack. Last pack. Et on termine avec une petite UD Portrait de Michael Caffey. Mitchell Caffey. Donc, ouais. Pas la plus grosse ouverture, mais Darlin Holloway. Au moins content pour la petite Matt Boldy. Jersey. Population Con, mais rien de bien gros. Puis Luc Robitaille, UD Canva. Pas mal nos hits. Pour les Young Guns, ça a vraiment, vraiment, vraiment pas été fameux. On a eu Darlin Holloway. Je sais bien que la Darlin Holloway, quand ils ont sorti le produit, ils pensaient peut-être que ça a été un plus gros nom. Elle se vendait quand même, comme je dis, de 25-30$ quand elle a sorti, je me rappelle, même 40 un moment donné, quand elle s'est sorti la première journée, je l'avais ouvert avec un de mes amis. Puis il avait sorti ça à 30-40$. C'est Darlin Holloway. Puis là, on a de la misère à sortir ça à 10$. Fait que c'est sûr, s'ils pensaient que ça aurait été une Young Gun à 30-40$ pour un bout. Ben, ça aurait été cool, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc, merci à tout le monde d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo quand même. Ouverture, on va essayer de se reprendre peut-être d'autres vidéos prochainement. Ouverture, et essayer d'avoir des meilleures box, des meilleures ouvertures. Donc, merci à tout le monde. Ciao, à la prochaine.